Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Moje srdce je plné radosti a vďačnosti. Mon cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Za túto novú príležitosť, ktorú nám Pán Ježiš daroval. Pour cette nouvelle possibilité, nouvelle soirée que le Seigneur nous a donné. Ďakujeme našim spevákom, našim hudobníkom. Nous remercions aux chanteurs, aux musiciens. Za ich službu, ktorou nás uviedli do blízkosti Božej. Pour leur service, par lequel ils nous ont conduit dans la présence du Seigneur. Chcem vás povzbudiť, slúžte Pánovi s radosťou. J'aimerais vous encourager à servir le Seigneur avec joie. A buďte pripravení vždycky vydať Pánu počet. Oddať chválu. Soyez prêts à donner vraiment gloire au Seigneur. Ja som veľmi vďačný za túto príležitosť druhého večera. Je suis vraiment reconnaissant pour cette possibilité de la deuxième soirée. A viem, že ste s takou túžbou prišli, aby ste prijali Božie slovo. Je sais que vous êtes venu avec un désir dans le cœur afin d'accepter la parole de Dieu. A verím, že Pán má pripravený odkaz pre mnohých z nás. Je crois que le Seigneur a préparé quelque chose pour beaucoup d'entre nous. U proroka Izaiáša v 55. kapitole, dans Isaïe 55, je napísané, že jeho slovo sa nevráti späť prázdne. Il est écrit que sa parole ne revient pas à lui à vide. Ale vykoná to, na čo bolo poslané. Mais accompli l'œuvre pour lequel était envoyé. Tak ako dáš, ktorý padá z neba a nevráti sa späť, tak vykoná to slovo Božie aj v našich srdciach, prečo je poslané. Comme cette pluie qui tombe du ciel ne revient pas sans produire le fruit, ainsi sa parole. Preto je potrebné, aby sme naše srdcia tak pripravili. Il est nécessaire de préparer nos cœurs. Aby to srdce bolo hotové priniesť to ovocie. Afin que le cœur soit prêt porter du fruit. Jedného dňa som vyšiel do svojho dvora. Un jour, je suis sorti dans la cour. A vidím svoje auto. Je vois ma voiture. Že má otvorenú kapotu. Que ja, le capot de la voiture était ouvert. A tak som sa zadivil, že jak je to možné, však ja som auto mal uzamknuté, kapota uzamknutá. J'étais étonné, comment est-ce possible? Pourtant j'avais fermé la voiture. A tak som prišiel k tomu autu a zodvihol som kapotu. J'ai relevé encore plus en venant vers la voiture, j'ai relevé plus le capot. A predstavte si, že v noci mi ukradli motor z auta. Imaginez-vous, ils m'ont volé le moteur dans la nuit dans ma voiture. Celé stádo koní mi zmizlo spod kapoty. Tout un troupeau de chevaux on m'a volé sous le capot de ma voiture. A tak som sa díval na to prázdne miesto. J'étais étonné que dans ce lieu j'ai contemplé ce vide. A začal som sa modliť. J'ai commencé à prier. A hovorím, Pane Ježišu. J'ai dit, Seigneur Jésus. Ty si videl, čo tí zlodeji robia. Seigneur, toi, tu as vu ce qui faisait ce voleur. Ty si ich celú noc vlastne požehnával v tej práci. Seigneur, tu les as bénis toute la nuit dans leur travail. Lebo tak perfektne, odborne ho vymontovali, že to dole klobúkom. Car ils ont vraiment démonté à perfection ce moteur. Takže ty si ich požehnával ich práci. Seigneur, tu les as bénis dans leur travail. A býva nedaleko od nás chodia tak polícia v noci a hliadkuje. Pas loin de chez nous, il y a la police qui fait son tour pour surveiller. A ešte si aj ochránil, pretože nič zlé sa im nestalo. Et tu les as encore protégés parce que
A tak som sa modlil a hovorím, Pane, ty iste miluješ týchto mojich zlodejov. Et devant cette voiture, je priais et je disais, Seigneur, tu les as vraiment aimés, ces mes voleurs là. A keď si ich tak veľmi požehnal, et comme je les ai bénis, a si ich ochránil, et je disais, tu les as, quand tu les as bénis et protégés, tak ťa prosím, aby za odmenu, že si zobrali tento motor, aby títo zlodeji boli spasení. Mais en échange, Seigneur, ce que je te demande, c'est pour que ces voleurs qu'ils ont pris ce moteur soient sauvés. Aby mohli uveriť v teba, títo moji zlodeji. Afin qu'ils puissent me voler croire en toi. To bola moja prosba. C'était ma demande. Nie to, aby sa mi vrátil motor. C'était pas ma demande pour qu'ils me ramènent à nouveau ce moteur. Alebo aby som mal nejakú náhradu. Pour que je puisse avoir nagrodu. Pour que je puisse avoir une récompense. Ale za to som sa modlil, aby Pán zachránil tie duše. Mais je priais pour que le Seigneur puisse sauver ces âmes. A prosil som Pána, aby zo všetkého z toho sa oslávil. Et je demandé le Seigneur pour qu'il puisse se glorifier dans tout cela. Hovorím, neviem, ako to ty sa vieš osláviť, Pane, ale ja čakám na teba, aby si sa ty oslávil. Je ne sais pas comment tu vas te glorifier, Seigneur, mais j'attends à toi pour que tu puisses te glorifier. A kým som ešte tam stál a držal tú kapotu, et pendant que j'étais encore en train de tenir ce capot et regarder, prišli dvaja mladí ku mne. Et deux jeunes gens s'approchent de moi. Mladého muža som poznal, bol to veriaci brat. Et un des jeunes, je reconnu, c'était un chrétien. A tú dievčinu som nepoznal. Et il y avait une fille qui était là aussi, mais je l'ai pas reconnu. A oni sa ma pýtajú, ako sa máš, brat Alexander? Prišli sme ťa navštíviť a chceli sme počuť tvoje svedectvo, ako sa ti darí. Et ils disent, frère Alexander, comment tu vas? Nous sommes venus pour écouter ton témoignage. A ja som im povedal, že veľmi sa mám dobre a Pán Boh ma veľmi žehná. Et j'ai dit, je vais très bien et le Seigneur me bénit vraiment. A teraz sa práve modlím za svojich zlodejov. Et maintenant justement je prie pour mes voleurs. Ktorí mi ukradli motor. Pour ceux qui m'ont volé mon moteur. A hovorím, prosím Pána, aby im to odpustil. Et je demande au Seigneur de leur pardonner cela. A prosím Pána za to, aby títo moji zlodeji mohli byť spasení. Et je demande au Seigneur pour que ces voleurs, mes voleurs puissent être sauvés. A to dievča, ktoré prišlo s týmto bratom, také oči na mňa vykúlilo. A dívalo sa, či som normálny. La fille qui est venue avec ce garçon, elle a ouvert grand les yeux et elle se demandait si j'étais vraiment bien, normal. A ja som sa pýtal, že či už to dievča patrí Pánu Ježišovi. Et j'ai posé la question, est-ce que cette jeune fille, elle regarde déjà le Seigneur? A on hovorí, vieš, ja chcel by som si ju zobrať za manželku a ja jej veľa rozprávam o Pánu Ježišovi, ale ona tomu nerozumie. Et ce jeune homme, il dit, tu sais, moi j'aimerais avoir cette fille pour femme. Je lui parle beaucoup de Dieu, mais elle comprend rien. A hovorím, opýtal som sa jej, chcela by si prijať Pána Ježiša do svojho srdca? Je lui pose cette question, est-ce que tu voudrais vraiment accepter Seigneur Jésus dans ton cœur? Ona také veľké oči mala na mňa a naraz jej vyšli slzy. Elle me regardait avec des grands yeux et d'un seul coup, les larmes commençaient à couler de ses yeux. A ona hovorí, áno, chcem ho prijať. Et elle dit, oui, j'aimerais l'accepter. A tento mladý muž sa díval na mňa, díval sa na ňu a hovorí, ja jej toľko rozprávam o Pánu Ježišovi, že už sa mi jazyk vystrapkal. Vystrapkal, vieš, že také strapce. Ce jeune homme, il me regardait, il regardait la fille et il dit, moi je lui ai tellement parlé du Seigneur que ma langue était déjà comme usée. A ty sa len opýtaš, že či chce prijať Pána Ježiša, ona povie áno. Ja už tomu hovorí, nerozumiem.
Et toi, tu lui demandes simplement si elle veut accepter Seigneur Jésus et elle dit oui. Alors, je ne comprends plus rien. A tak som ich pozval dnu. Pozval som ich dovnútra, do nášho domu. Donc je les ai invités dans ma maison. Nakreslil som je to srdce človeka, čo som včera kreslil vám. Alors je lui ai dessiné le cœur de l'homme comme à vous hier. Viedol som ju k tomu, aby povolala Pána Ježiša do svojho srdca a aby zaujal trón jej srdca. Alors je l'ai conduit afin qu'elle puisse vraiment accepter Jésus dans son cœur, qu'il puisse vraiment occuper la place sur le trône de son cœur. Ona vyznala svoje hriechy a prijala Pána Ježiša s veľkou radosťou. Elle a confessé ses péchés et elle a accepté Jésus avec joie. A potom odišli preč. Et après ils sont partis. A tak som uvažoval, čo sa to vlastne stalo. Nerozumel som tomu. Et après, je réfléchissais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprenais pas. Na jednej strane ukradnutý motor. D'un côté, on me vole le moteur. A hneď spasená duša. De l'autre côté, une âme sauvée. A také mi to bolo zvláštne. Et c'était étonnant pour moi. O nejaký krátky čas znovu ma navštívili už obidvaja veľmi šťastní v Pánovi. Peu de temps après, ils sont revenus vers moi à nouveau, ce jeune Jean, mais vraiment heureux dans le Seigneur. A tá mladá dievčina sa ma pýta, chcel by si vedieť, brat Alexander, prečo sa moje srdce tak rýchlo otvorilo pre Pána Ježiša? Frère Alexander, est-ce que tu voudrais savoir pourquoi mon cœur s'est ouvert si vite pour le Seigneur? Keď si hovoril, keď sme sa ťa pýtali, že ako sa máš, lorsque on t'a posé cette question, comment tu vas avant? A ty si potom hovoril o tom, ako ti ukradli motor z auta. Après, tu disais de quelle manière on t'a volé ce moteur de ta voiture. Ja som si v tej chvíli pomyslela, no teraz sa ukáže, akí sú veriaci ľudia materialisti. Et moi, dans mon cœur, j'ai pensé maintenant, on verra comment les chrétiens ils sont matérialistes. Ça se révélera justement comment ils sont. Ako bude šomrať tento kazateľ, ako sa bude sťažovať na tých ľudí, že akú škodu mu spôsobili. A potom poviem, no preto to mám prijať Pána Ježiša, aby som aj ja bola taká ako ten tvoj kazateľ. Et j'attendais que voilà ce prédicateur, donc tu vas murmurer, tu vas comment dire ces gens-là, tu vois, et donc là, après, je pensais que je vais dire, tu vois, comment vous êtes là, comment vous êtes, est-ce que moi, je dois être comme vous, je dois accepter le Seigneur. A blesku rýchlo mi prebehla celá tá situácia, no teraz budem mať argument. Et comme ça, dans mes pensées, cette situation est passée par mes pensées, et je me suis dit, je vais avoir des arguments. Ale ty si začal úplne opačne reagovať. Mais toi, tu as réagi carrément différemment. Ty si bol pokojný. Tu étais en paix. Tvoja tvár žiarila radosťou. Ton visage rayonnait de joie. Ty si nenadával. Tu murmurais pas. Modlil si sa za svojich zlodejov. Tu priais pour tes voleurs. Dobrorečil si im. Tu les bénissais. A dôveroval si Bohu, že Boh o všetkom vie. Tu as fait confiance au Seigneur en disant il sait toute chose. A ty si nežiadal od Pána Boha náhradné auto. Tu demandais pas au Seigneur une nouvelle voiture. Ale ty si žiadal, aby tí ľudia boli spasení. Mais ce que tu demandais c'est que ces gens-là puissent être sauvés. A vtedy v mojom srdci bola veľká túžba. Ja takto chcem veriť Pána Ježiša. Et dans mon cœur est né un grand désir en disant Seigneur, c'est comme ça que je vais connaître le Seigneur. A ty si sa ma v tej chvíli opýtal, chcela by si prijať Pána Ježiša? Et à ce moment-là précis, tu m'as posé cette question, est-ce que tu veux accepter Jésus? A v tej chvíli bolo moje srdce pripravené. Et à ce moment-là, mon cœur était prêt. A tak som sa radoval,
že Pán Ježiš spasil túto mladú devu. J'étais vraiment dans la joie que le Seigneur a sauvé cette jeune fille. Oplatilo sa za ten motor, však? Ça voilà le coup en échange de ce moteur. Alléluia. Alléluia. No a takto sa Pán Boh oslavil. Ukázal mi, ako sa on vie osláviť v takýchto zložitých situáciách. Et le Seigneur m'a montré comment il peut se glorifier dans des situations si compliquées. Ale ešte celý príbeh nekončí. Mais toute cette histoire n'est pas terminée. O taký mesiac alebo dva mesiace neskôr, mais un mois ou peut-être deux mois plus tard, naraz sa objavili dvaja muži u nás. Cudzí. D'un seul coup, deux hommes que je connaissais pas, étrangers, sont venus chez nous. A hovoria mi, pán Alexander, mohli by ste nám darovať to vaše auto, čo máte tam na dvore? Et ils disent, monsieur Alexander, est-ce que vous pourriez nous donner votre voiture que vous avez là-bas dehors? A ja som sa tak prekvapil a hovorím, ako ste na to prišli, že by som ja vám daroval svoje auto? Et moi, je dis, comment vous êtes arrivé à cela pour me demander que je vous donne ma voiture? A oni hovoria, aj tak tam nemáte motor. De manière, vous n'avez pas de moteur dedans. Oh, hovorím, už tomu rozumiem. Alors, je dis, ah, là, je comprends. Vy ste zobrali košelu a teraz ste si prišli aj pre kabát, však? Vous avez pris la chemise et maintenant vous voulez prendre la veste. Lebo takto vyučuje Pán Ježiš, však? Car ainsi, nous apprend le Seigneur Jésus. A oni povedali, tak, tak. Oui, ils ont dit, oui, oui. Hovorím, dobre, zoberte si auto, to auto je vaše. Et j'ai dit, ok, prenez cette voiture vous appartient. A oni uverili tomu a začali tlačiť auto von z dvora. Ils ont cru ce que j'ai dit, ils ont commencé à pousser la voiture dehors. A keď už polovica auto bolo na ceste a polovica ešte vo dvore, vtedy som povedal, počkajte, počkajte, to nebude celkom zadarmo. Alors, quand la voiture était à moitié sortie déjà dans la rue, l'autre moitié était encore dans mon jardin, j'ai dit, attendez, ça va pas être totalement gratuitement. A oni sa zľakli, že koľko to bude stáť. Ils ont eu peur que je vais demander de l'argent, combien ça va coûter. Ale ja som im povedal, ja nechcem od vás peniaze. Et moi j'ai dit, je vais pas d'argent, je vais pas de votre part que vous me payez. Ale dnes večer budem v susednej vioske, dedine kázať evanjelium odpustenia. Et mais ce soir dans un village, un lieu voisin, je vais prêcher l'évangile de pardon. A ja vás prosím, aby ste za odplatu, že som vám toto dal, prídite a vypočujte si Božie slovo. Et moi, ce que je demande en échange de cette voiture, que veniez écouter juste la parole de Dieu. A oni povedali, o tak, tak my prídeme všetci, aj ženu donesiem, aj deti, všetci prídeme. Et ils ont dit, ok, on viendra avec nos familles, avec nos enfants. A prišli. Ils sont venus. Všetci prišli. Aj ils sont deti, tous venus. Aj ich ženy prišli. Leur épouse, leurs enfants. A ja som kázal Božie slovo. Et moi, je prêchais la parole de Dieu. A Duch Svätý zostúpil. Et l'Esprit Saint est descendu. A ľudia plakali nad svojimi hriechami. Et les gens y pleuraient sur leurs péchés. A plakali. Celé tie rodiny plakali. Toutes ces familles pleuraient. A všetci, aj deti, vydali svoje životy Pánu Ježišovi. Et tous ces gens-là, et même les enfants, ont donné leur vie à Seigneur Jésus. Vidíte, aký je dobrý Pán. Regardez comment le Seigneur est bon. Keď my dôverujeme Bohu, si nous faisons confiance au Seigneur, tak Boh zo všetkého vyniesie svoju slávu. Alors, le Seigneur, en toute chose, peut être glorifié. Tire sa gloire.
vtedy, keď sa zachováme tak, aký je charakter Pána Ježiša Krista. Au moment où nous allons nous comporter, avoir ce caractère de Jésus-Christ. Ale keby som bol začal zmetkovať a začal by som políciu volať a dobíjať sa svojich práv, et si j'avais commencé à réclamer mes droits, à appeler la police, à murmurer, tak by sa Pán Ježiš nemohol bol takto osláviť. Alors le Seigneur ne pouvait pas se glorifier. Ale vtedy, keď my vieme odovzdať svoj problém Pánu, on sa vie osláviť predivne. Mais si nous savons remettre notre problème au Seigneur, alors il peut se glorifier. A tak Pán Boh ma zbavil niečoho, čo nebolo už pre mňa dobre a dal mi lepšie. Zabral mi. Mais le Seigneur a il m'a repris ce qui était déjà plus tellement bon, il m'a donné meilleur. Alléluia. Keď ti Pán Boh bere niečo, lorsque le Seigneur il te reprend quelque chose, preto ti chce, lebo ti chce dať niečo lepšie. Parce qu'il veut te donner quelque chose de meilleur. A keby ti aj zobral tento pozemský život, keby tak veľa ti zobral, že ti zobere tento pozemský život, même si il te prenait tellement beaucoup, même ta vie ici-bas, tak má niečo lepšie pre teba pripravené. Alors il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Večný život v jeho prítomnosti. Halleluja. La vie éternelle dans sa présence. Halleluja. Vidíte, Pán je ten, ktorý nás miluje. Le Seigneur est celui qui nous aime. A on má svoje plány s tebou i so mnou. Il a ses projets pour toi et pour moi. Ale ty mu dôveruj. Mais toi, fais-lui confiance. Ak budeš s láskou Kristovou, budeš prechádzať tento svet. Avec amour de Christ, tu pourras traverser ce monde. Mnoho duší zachrániš. Tu vas comme sauver beaucoup d'âmes. Všade, kdekoľvek pôjdeš, partout tu iras, budú zachránené duše. Les âmes vont être secourues. A budú oslavovať Boha, ktorý je v nebesiach. Elles vont glorifier Dieu qui est dans les cieux. A budú chváliť Pána Boha za tvoj život. Ils vont glorifier le Seigneur pour ta vie. Tak ako som o tom včera hovoril, ako tí vrahovia tam v tej väznici chválili Boha, že Pán Boh ma poslal do tej tmy. Comme ces prisonniers dans cette prison qui glorifiaient Dieu parce que le Seigneur m'a envoyé là-bas. Lebo kdekoľvek pôjdeme. Parce que n'importe où nous allons, tá Božia odpoveď je záchrana ľudských duší. La réponse de Dieu, c'est sauver les âmes. Pán Boh nás na tento svet neposlal na to, aby sme stavali nové a krásne modlitebne. Le Seigneur nous a pas envoyé ici dans ce monde pour que nous construisions de belles temples. Alebo nejaké chrámy. Des églises ou de temples. Ale nás poslal na tento svet, aby sme všade, kde sme, svietili. Mais il nous a envoyé dans ce monde que nous puissions vraiment briller partout où nous sommes. A všetko, čo máme, všetky svoje možnosti premieniali na prospech Božieho kráľovstva. Mais nous puissions transmettre toutes nos possibilités pour la proclamation du royaume de Dieu. Pán Boh nechce, aby sme boli s takými svetlami ako chrámové lustre. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons de telle lumière comme de lustre dans le temple. Ale chce, aby sme boli svieca. Mais il veut que nous puissions être cette lampe. Aby sme vedeli aj do tej najhlbšej tmy zísť s tou sviecou. Cette lampe, nous puissions descendre avec elle même dans les plus grandes ténèbres. S lustrom nezídete dole do pivnici. Avec le lustre, vous n'allez pas descendre à la cave. Ale so sviecou, áno. Mais avec cette lampe, avec cette bougie, vous allez pouvoir descendre à la cave. A Pán chce, aby sme boli takými sviecami.
il veut, le Seigneur veut que nous soyons de telles bougies. Aby sme nielen v shromaždení svietili. Nielen v chráme svietili. Mais pas pour que nous ne soyons pas la lumière dans le temple, ale aj tam v svojom zamestnaní. Mais à notre place. Tam v svojom svojej škole. Donc à notre école. Alebo tam, kde nás Boh postaví, kdekoľvek. Partout le Seigneur nous place. Aby sme niesli to svetlo. Afin que nous puissions porter cette lumière. A nepostavili svoju sviecu pod víko. Et pas mettre notre lumière sous une cloche. Ale dať na také miesto, aby všetci videli. Mais mettre à un endroit où tout le monde puisse voir. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Que ainsi lui votre lumière devant les hommes. Aby videli vaše dobré skutky. Afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres. A potom oslavovali Boha, ktorý je v nebesiach. Halleluja. Puisse glorifier Dieu qui est dans les cieux. Teda Pán Boh si nechce z nás mať chrámové lustre. Le Seigneur ne veut pas faire de nous de lustre dans le temple. Ale chce z nás mať sviece. Mais il veut faire de nous de bougies. A všade, kdekoľvek ideme, aby sme to svetlo života niesli zo sebou. Afin que partout où nous irons, nous puissions porter cette lumière de vie. Lebo tento svet celý leží vo tme. Car tout ce monde est dans les ténèbres. Tma ho obklopila. Tma ho obklopila. Oui. Donc le ténèbre l'ont entouré. A tento svet leží v smrti. Ce monde est dans la mort. Lebo odplatou za hriech je smrť. Car le salaire du péché est la mort. A my všetci sme zhrešili, tak hovorí Božie slovo. Nous avons tous péché, dit la parole. Celé ľudstvo zhrešilo proti Bohu. Toute humanité a péché. Všetci sme kandidátmi smrti a zahynutia. Nous sommes tous candidats à la mort. Ale Boh tak miloval svet. Mais Dieu a tellement aimé le monde. Že svojho jednorodeného syna dal Pána Ježiša. Qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Aby nikto, kto v neho verí, nezahynul. Mais que personne qui croit en lui ne périsse. Ale mal večný život. Mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Lebo neprišiel syn Boží na to, aby svet skazil. Le fils de Dieu n'est pas venu pour odsúdil. Pour juger le monde. Ale preto prišiel, aby ho zachránil. Mais il est venu pour le sauver. A my sme práve tí, ktorí máme ísť do tohoto sveta. Et nous sommes ceux qui doivent aller dans ce monde. My nemáme svietiť len v shromaždení. Nous ne devons pas briller seulement dans l'église. Ale máme ísť von medzi ľudí. Mais nous devons aller à l'extérieur. A zvestovať im dobrú novinu. Et leur proclamer la bonne nouvelle. O Božej láske. De la grâce de l'amour de Dieu. Že Boh ich miluje. Que Dieu les aime. A Boh má s nimi plány. Mais Dieu a des projets. Keď som môjho malého syna, už teraz Tomáška, keď bol taký malý, maličký. Lorsque mon fils Thomas était tout petit. Som sa ho opýtal, synček, ako ma ľúbiš? Chaque fois je demandais. Ako ma miluješ? Ja som sa ho opýtal. Je demandais à mon fils, comment tu m'aimes? A on tak vystrel svoje ruky. Et lui étendait ses bras. A hovorí, tak ťa ľúbim. Il disait, comme ça je t'aime. Comme ça je t'aime. A vtedy som uvidel ten obraz. Et là j'ai vu cette image. Tak Boh miloval svet. Dieu a tellement aimé le monde. Chceš vidieť ako? Tu veux voir comment? Pozri sa na Pána Ježiša. Alors regarde Seigneur Jésus. Na jeho syna. Regarde fils de Dieu. Tie jeho vystreté ruky. Ses bras étendus. Tam na kríži Golgotskom. Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. To nie je prejav jeho slabosti a nemohúcnosti. C'est pas une révélation de faiblesse. Ale to je prejav jeho veľkej lásky ku mne a ku tebe. C'est une révélation de grand amour pour toi et pour moi. Teda celý svet leží vo tme. Tout le monde entier est dans les ténèbres.
A tento svet nehovorí o nádeji, ale o beznádejnosti. Ce monde ne parle pas de d'espérance, mais de il parle de désespoir. Čím ďalej ideme v tomto živote, vidíme, že ekonomicky padá tento svet. Plus loin nous allons, plus nous voyons que économiquement le monde tombe. Morálne padá tento Moralement, svet. Moralement il tombe. Vojensky sa rúti. Il y a de guerre. Po všetkých stránkach vlastne svet je kandidátom smrti a zahynutia. Donc partout dans tous les coins du monde, il y a des candidats à la mort. V tých minulých dňoch som pozeral doma správy, televízne správy. Et dans ces jours passés, j'ai regardé des choses à la télé. A naša televízna hlásateľka hovorí, že a to najhoršie ešte len za týmto príde. Et elle une une reportrice ou speakrice disait que le pire est devant nous. Tak vidíte, akú má tento svet nádej. Vous voyez quel espoir a ce monde. Tento svet leží vo tme. Ce monde est plongé dans les ténèbres. A ty choď a svieť. Toi, tu vas et Povstaň a svieť. Lève-toi et brille. Lebo tento svet potrebuje to svetlo, ktoré je v tebe. Ce monde a besoin de cette lumière. Aby si niesol svetlo všade, kde žiješ. Afin que tu puisses porter cette lumière partout où tu vas. Prečítame Božie slovo. On va lire la parole de Dieu. Budeme čítať najprv z listu Efežanom. On va lire d'abord dans Efésiens. 5. kapitoli. Chapitre 5. 14. až 17. verš. Verset 14 au 17. Po koniec 17. Dobře. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. A takisto budeme čítať z proroka Ezechiela 37. kapitolu prvých 14 veršov. On va encore lire dans Ezechiel chapitre 37 et le 14 premiers versets. 14, prvých 14 veršov. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'encens et me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici ce fut un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des cadrements, souffle sur ces morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. En mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres, en mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Tolko z čítania Božieho slova. Autant de la parole de Dieu. V liste Efežanom hovorí Božie slovo. Dans Ephésia, la parole de Dieu. Zobud sa ty, kto spíš. Réveille-toi qui dort. Staň z mŕtvych. Relève-toi de mort. A bude ti svietiť Kristus. Le Christ éclairera. Hovorili sme o tom, že tento svet leží vo zlom. Nous avons dit que ce monde est dans le mal. A tak hovorí Pán Ježiš, že tie posledné dni budú ako za dní Noého. Le Seigneur dit que ces derniers jours ils seront comme au temps de Noé. To znamená, že Boh hľadá tých, skrze ktorých môže priniesť záchranu pre ľudstvo. Ça veut dire que le Seigneur cherche les personnes à travers lesquelles il pourrait apporter le secours, le salut au monde. Keď čítame prvú knihu Mojžišovu, 6. kapitolu, lorsque nous lisons Genèse, 6. kapitolu, nous lisons dans le chapitre 6, tak tam čítame, že Hospodin ľutoval, že stvoril človeka. Nous lisons que Dieu a regretté qu'il a créé l'homme. A mal bolesť vo svojom srdci. Il avait cette douleur dans son cœur. Viete si predstaviť, že Boh má bolesť vo svojom srdci? Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu a cette douleur dans son cœur? Viete si predstaviť, že nášho Pána niečo bolí? Est-ce que vous pouvez imaginer que notre Seigneur ça peut faire mal? Keď nás niečo bolí, ideme k Pánovi. Páne, bolí ma noha, bolí ma ruka, bolí ma hlava, bolí ma brucho. Páne, zmiluj sa. Quand nous avons mal quelque part, nous allons vers le Seigneur en lui disant: Seigneur, j'ai mal à la tête, à ma jambe, à mon ventre, aie pitié de moi. A niekedy si sa už pýtal Pána: Pane, čo teba bolí? Est-ce que tu as déjà posé la question au Seigneur? Est-ce que tu as mal quelque part? Pane, nebolí ťa tvoje srdce? Seigneur, ton cœur il te fait pas mal? Nebolí ťa tvoje srdce, Pane, nad stavom tvojich detí, nad stavom cirkvi? Ton cœur il te fait pas mal à cause de l'état de tes enfants, de ton église? Bože, nebolí ťa tvoje srdce nad tým, že ľudia idú do zahynutia? Et ton cœur te fait pas mal parce que les hommes ils vont à la perdition. Stál si už niekedy pred Pánom na kolenách a povedal si: Pane, doteraz som vždy ja hovoril, teraz hovor ty ku mne. Et tu t'es mis à genoux en disant à Seigneur, jusqu'à présent c'est moi qui a parlé. Maintenant Seigneur, parle toi, tu me parles. Doteraz som ti len ja nosil svoje problémy, ale Pane, teraz ja tu stojím a povedz mi, čo je tvoj problém, Bože. Jusqu'à présent c'est moi qui t'apportais mes problèmes. Maintenant je suis devant toi, Seigneur, dis-moi quel est ton problème. Už si sa niekedy takto postavil alebo postavila pred Božiu tvár? Est-ce que tu t'es mis dans cette position jusqu'à aujourd'hui de cette manière-là? A čakal si, aby ti Boh položil svoju bolesť na tvoje srdce? En attendant pour que le Seigneur puisse mettre sa douleur sur ton cœur. V druhej knihe Paralipomenon Kroník. Dans le deuxième livre des Chroniques. 16. kapitole. Chapitre 16. V 9. verši. Verse 9. Tak hovorí Božie slovo. La parole de Dieu nous dit. Oči Hospodinove chodia po tvári celej zeme. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. A hľadajú toho, ils cherchent celui,
koho srdce je celé obrátené k nemu. Dont le cœur est tout entier à lui. A prečo to robí Boh? Pourquoi le Seigneur le fait? Lebo hľadá takých ľudí, ako je Noach. Parce qu'il cherche les gens comme Noé. Ktorí uveria Bohu. Qui pourrait croire le Seigneur. A ktorí sú ochotní ho poslúchať. Qui sont prêts à l'obéir. A ktorí sú ochotní budovať to spasenie, tú záchranu. Qui sont désireux construire ce salut, ce secours. Sú ochotní niesť toto spasenie ďalej. Qui sont prêts à porter ce salut plus loin. A to srdce Božie, to ubolené srdce Božie našlo jedného človeka a ten sa volal Noach. Et ce cœur plein de douleur, ce cœur de Dieu a trouvé cet homme qui s'appelait Noé. A Noého srdce bolo obrátené celé k Bohu. Et le cœur était tourné, le cœur de Noé était tourné vers Dieu. A Boh mu zveril bolesť svojho srdca. Et Dieu lui a confié la douleur de son cœur. A povedal mu, postav koráb. Il dit, lui dit, construis l'arche. Voved do ni zvierata. Voved do toho korábu zvierata. Amen. Vers cette arche les animaux. Voved do toho celú svoju rodinu. Amen. Toute ta famille. A keď to všetko tak bolo, Boh zavrel dvere na tomto korábe. Quand tout s'est passé ainsi, Dieu a fermé la porte de cette arche. A prišiel Boží hnev na tento svet. Et la colère de Dieu est venue dans ce monde. Ale Božie oko bolo obrátené na Noacha a na celý ten korab. Mais l'œil de Dieu, les yeux de Dieu étaient tournés sur Noé. Božie súdy sa vylievali na zem, ale jeho oči boli úzkostlivo opreté o koráb a tých, ktorí boli v ňom. La colère de Dieu s'est déversée sur le monde, mais ses yeux étaient tournés sur ceux qui étaient avec lui. Keď ty chodíš po tomto svete, lorsque tu te déplaces dans ce monde, keď chodíš po tej krásnej Francii, lorsque tu marches, tu te déplaces dans cette belle France, ty vidíš tých ľudí, aké krásne autá majú, tu vois tous ces gens qui ont des belles voitures, aké krásne domy majú, qui ont des belles maisons, Aký sú bohatí tí Francúzi. Comment ils sont riches, les Français. A myslí si, oni nič nepotrebujú. Et peut-être tu penses, ils n'ont besoin de rien. Ale ty potrebuješ vidieť svojich súdruhov, teda tých ľudí, ktorými žiješ. Mais tu as besoin de voir tous ces gens, ces proches avec qui tu vois. Božími očami. Par les yeux de Dieu. Lebo keď tvojimi očami ich budeš vidieť, tak budeš vidieť, že oni nič nepotrebujú. Majú toľko peňazí. Avec tes yeux, tu verras ces gens en disant, ils n'ont besoin de rien, ils ont beaucoup d'argent. Ale keď ich budeš vidieť Božími očami, mais lorsque tu vas regarder avec les yeux de Dieu, naraz budeš ich vidieť ako ľudí, ktorí potrebujú záchranu. Alors tu les verras comme les gens qui ont besoin d'être sauvés. Ale to nemôžeš uvidieť, kým nepríde na teba ruka Pánova. Mais tu pourras pas le voir tant que l'œil de Dieu ne viendra pas sur toi. Ty musíš vidieť ľudí okolo seba ako kandidátov smrti a kandidátov zahynutia. Mais tu dois voir les gens autour de toi comme le candidat à la mort, à la perdition. A preto pros, aby Duch Svätý na teba zostúpil. Alors demande pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi. Tak ako na tohoto proroka zostúpila ruka Pánova. Comme sur ce prophète, la main de Dieu est descendue. A naraz videl veci ináč, ako videl dovtedy. Et d'un seul coup, il a vu les choses différemment que jusqu'à présent. Naraz videl celé údolie, že je plné mŕtvol. Il a vu d'un seul coup cette vallée remplie de la mort. A uvidel ich ako tých, ktorí sú bez nádejnosti. Il les a vu comme ceux qui sont sans espérance. Aj ty môžeš uvidieť pod rukou Pánovou, môžeš uvidieť ten beznádejný stav tohoto sveta. Et sous la main de Dieu, tu peux voir cet état de désespoir du monde.
A pán prehovoril tomuto prorokovi. Il dit, le Seigneur dit à ce prophète. Previedol ho kolom dokola. Kolom dokola. Okrengom ho. Previedol ho. Et il a conduit tout autour ce prophète. Aby zo všetkých strán pochopil tých ľudí. Afin qu'il puisse voir de tous les côtés ces gens. A celú tú situáciu, aby pochopil. Afin qu'il puisse comprendre toute cette voir toute cette situation. Aby bol oboznámený o tej beznádejnosti a o tej smrti. Afin qu'il puisse être vraiment informé de ce désespoir de cette mort. A teraz zaznieva k nemu slovo Božie. Et ensuite il lui donne la parole de Dieu. Synu človeka. Il dit fils de l'homme. Či ožijú tieto kosti? Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Či táto beznádejnosť, čo je tu v tejto doline tohto sveta, či podľa teba ešte je tu nejaká nádej? Est-ce que dans ce désespoir, dans ce vallée de ce monde, il y a une chance d'espoir, d'espérance? Ako zareagoval tento prorok? Comment il a réagi ce prophète? Tak hovoril, že aleluja, pravda, že je pomoc. Il a dit aleluja, oui, c'est possible. Tak reagoval. Il a réagi ainsi? Nie. No. Pane, ty vieš. Il a dit l'Éternel, tu le sais. Vidíte, on sa snažil dívať sa na to všetko Božími očami. Il a su vraiment regarder tout cela avec les yeux de Dieu. On sa na to nedíval ani pesimisticky, ani optimisticky. Il n'a pas regardé ceci d'une manière pessimiste ni optimiste. Ale on chcel sa hľadeť jeho očami. Pane, ty vieš. Ty tomu najlepšie rozumieš. Il voulait voir avec les yeux de Dieu. Il disait, le Seigneur, tu le sais. Keď sa ty, brat môj, sestra moja, dívaš na tento svet. Mon frère, ma sœur, lorsque tu regardes ce monde. A keď Duch Svätý na teba zostúpi. Et lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi. A opýta sa synu človeka. Il te demandera, fils de l'homme. Čo si myslíš, je ešte nádej pre tento svet? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour ce monde? Čo by si ty odpovedal? Qu'est-ce que tu répondrais? Pane, Seigneur, vieš. Tu sais. A keď ty tak odpovieš, Pane, ty vieš. Lorsque tu répondras, Seigneur, tu le sais. Pán skutočne vie. Oui, le Seigneur, il le sait bien. Keď ja viem, tak hovorí Pán. Le Seigneur dit, lorsque moi je sais. Tak teraz počúvaj na mňa. Donc, maintenant tu regardes sur moi. Nepočúvaj svoje vlastné názory. Tu m'écoutes pas mes propres pensées. Nepočúvaj to, čo hovoria ľudia. Écoute pas ce que disent les gens. Ale počúvaj na to, čo ja hovorím. Mais écoute ce que moi je dis. Ak ja viem. Si moi je sais. Tak ja ťa budem viesť. C'est moi qui va te conduire. Prorokuj. Alors prophétise. Prorokuj týmto kostiam. Alors prophète dans cette église. Čo znamená prorokovať? Qu'est-ce que nous servons de prophétie? Ak my chceme, aby tento svet bol skriesený k novému životu, si nous voulons que ce monde puisse être ressuscité pour une vie nouvelle, ak chceme, aby nová nádej zaviala na tento svet, si nous voulons a život prišiel, que une nouvelle espérance puisse souffler sur ce monde et la vie puisse arriver, to nijak ináč nemôže prísť jedine cez proroctvo. Ça peut pas arriver autrement que par la prophétie. Čo to je proroctvo? C'est quoi cette prophétie? To biblické proroctvo. Cette prophétie biblique. Ja nie to sa pýtam, že čo si ľudia myslia o proroctve. Je demande pas ce que les gens y pensent de la prophétie. Ale to skutočne Biblia považuje za proroctvo. Mais ce que la Bible prend pour la prophétie. V starom zákone, dans l'Ancien Testament, boli prorocké školy. Il y avait des écoles de prophètes. A tí učni prorockí, les disciples de prophètes, oni sa učili naspamäť výroky Hospodinové. Ils apprenaient la parole de Dieu, la loi de Dieu par cœur. To znamená, že boli plní Božieho slova.
C'est-à-dire qu'ils étaient pleins de remplis de la parole de Dieu. A keď prišiel na nich duch hospodinov, lorsque l'esprit de Dieu venait sur eux, oni začali prorokovať. Ils commençaient à prophétiser. To, čo sa naučili, ce qu'ils ont appris, tak Duch Svätý vynášal tie staré i nové veci vynášal von. Alors il remettait, reprenait des vieilles, des nouvelles choses, le Saint-Esprit. To bolo v Starom zákone. C'était dans l'Ancien Testament. Ako to funguje v Novom zákone? Comment ça fonctionne dans le Nouveau Testament? Pavel apoštol hovorí, nech slovo Kristovo prebýva vo vás bohate. Apôtre Paul dit que la parole de Dieu habite en vous richement. A potom ďalej hovorí, majte myseľ Kristovu. Ensuite il dit, soyez pensée de Christ. Ak my chceme byť tými novozákonnými prorokmi, si nous voulons être ce prophète de Nouveau Testament, my sa musíme učiť Božie slovo, výroky Ježiša Krista na spameť. Nous devons apprendre la parole de Dieu par cœur. Nous devons apprendre de la loi de Dieu. Aby v našej mysli, v našom srdci Kristovo slovo bohate prebývalo. Afin que la parole de Dieu, la parole de Christ puisse habiter en nous richement. A vtedy, keď Duch Svätý na nás zostúpi a sme vedení Duchom Svätým, tak jednoducho z nás vychádzajú vody života, vychádzajú nové i staré i nové veci. A pak, lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, les eaux de vie puissent sortir de nous les choses anciennes, les choses nouvelles. Lebo Pán Ježiš povedal, car Jésus a dit, že keď príde ten Duch Svätý, Duch pravdy, ktorého Otec pošle, car Jésus a dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, tak, l'Esprit que mon Père va envoyer, tak on vám všetko pripomenie, čo som ja povedal. Alors il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vidíte, takto funguje novozákonné proroctvo. Alors c'est ainsi que ça fonctionne, cette prophétie. Že Duch Svätý bohate vo mne prebýva, que slovo Božie bohate vo mne prebýva, la parole de Dieu habite en moi richement, a Duch Svätý mi pripomína to slovo. Et l'Esprit Saint me rappelle cette parole. Lebo mám obecenstvo s Duchom Svätým. Car j'ai cette communion avec le Saint-Esprit. Už 25 rokov kážem Božie slovo. Ça fait 25 ans que je prêche la parole de Dieu. Ale raz v živote som si napísal kázanie. Mais une fois dans ma vie, j'ai écrit ma prédication. Ale viete, aj s tým som ako pochodil. Jak som s tým schodil? Jak sa to dokončilo? Mais vous savez comment ça s'est terminé? Bol som kazateľom v jednej obci, vioske. Je prêchais dans un village. A tam zomrel jeden bezdomovec. Zmar. Un homme décédé. A tak prišli ma, poprosili ma z vedenia obci, že aby som ho pochoval. Les gens sont venus vers moi si je pourrais pas l'enterrer tout simplement. A ten bezdomovec veľa zlá narobil tam v tej vioske. Cet homme qui avait pas de famille, il a fait beaucoup de mal dans ce village. A oni hovorili, my nechceme na jeho pohrebe nič zlé povedať. Et ces gens ils disaient, nous voulons rien dire de mal sur son enterrement. A ty keď budeš kázať, ty vieš čo máš hovoriť. Mais toi, lorsque tu vas prêcher, tu sais ce que tu dois dire. A prosili ma, aby som ho pochoval. Alors ils m'ont demandé de faire cet enterrement. A ja som vedel, že príde, celá vioska príde, budú zvedaví, čo sa bude hovoriť tam na pohrebe. Alors, je savais que tout le village va venir, ils vont être curieux d'entendre qu'est-ce que je vais dire pendant cet enterrement. A teraz, ja som nevedel, čo... Tak som si napísal kázanie. Donc, j'ai écrit ma prédication. A tak som si ju položil do Biblii. Donc, j'ai mis cette feuille au milieu de ma Bible. Taký veľký list to bol. C'était une grande feuille, list. Nad hrobom som stál.
J'étais debout au-dessus de la tombe, de cette tombe. A veľa, veľa ľudí bolo tam na tom pohrebe. Et autour, il y avait beaucoup de personnes à cet enterrement. A jak som tak otvoril Bibliu, j'ai ouvert vraiment cette Bible, do mojho kázania zafúkol vietor. Et à ma prédication a soufflé le vent. A začal, nad hrobom začal takto plávať ten papier. Et ma feuille commençait à voler au-dessus de cette tombe. A hlavy poslucháčov takto. Et les têtes de ceux qui écoutaient tournaient comme la feuille volait. A naraz ten papier skeroval rovno do hrobu. Et d'un seul coup le papier est tombé dans le trou dans la tombe. A všetkým hlavy tak. Et tak. Toutes les têtes se sont penchées vers cette tombe. A teraz všetci sa na mňa pozreli, čo budem robiť? Et maintenant toutes les têtes se sont tournées vers moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oni si mysleli, že ja skočím do hrobu si pre kázanie. Ils pensaient que je vais peut-être sauter dans la tombe pour récupérer ma feuille. A vtedy prehovoril ku mne Duch Svätý. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Alexander, Alexander. Il m'a dit, Alexander, Alexander. Dôveruj mi. Fais-moi confiance. Nikdy som ťa neopustil. Je n'ai jamais délaissé. Vždy som ti pripomínal Božie slovo. Chaque fois, je t'ai rappelé la parole de Dieu. Veď to máš zasľúbené. Je te l'ai promis. A tak som sa zahambil. Alors, j'ai eu honte. A začal som kázať Božie slovo. Alors j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Som zabudol, že som na pohrebe. J'ai oublié complètement que j'étais à l'enterrement. Začal som zvestovať evanjelium tým ľuďom. Alors j'ai commencé à prêcher l'évangile à ces gens. A ľudia plakali. Les gens y pleuraient. Ale nie za mŕtvým. Et pas pour ce mort. Ale plakali nad svojimi hriechami. Mais ils pleuraient sur leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Vidíte, to je prorocký duch. C'est ça l'esprit de prophétie. Duch Svätý je prorocký duch. L'esprit saint, c'est un esprit de prophétie. Ktorý nám pripomína Božie slovo. Qui nous rappelle la parole de Dieu. Ktoré nám pripomína slovo Kristovo. Qui nous rappelle la parole de Christ. Preto my máme byť plní slova Kristovho. Alors nous devons être remplis de la parole de Christ. Aby to naše srdce bolo naplnené slovom Božím. Afin que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Aby nám mal čo Duch Svätý pripomenúť. Afin que il puisse savoir quoi nous rappeler l'Esprit Saint. A tak už 25 rokov kážem Božie slovo. Depuis ça fait 25 ans que je prêche la parole de Dieu. Bez toho, aby som si to písal. J'écris pas mes prédications. Duch Svätý mi všetko pripomína. L'Esprit Saint me rappelle. A ja dôverujem mu, že on mi pripomenie to slovo. Et moi je lui fais confiance qu'il me rappellera. A tak hovorí Boh tomuto prorokovi. Dieu dit à ce prophète. Prorokuj synu človeka. Il lui dit, prophétise, fils de l'homme. A nehovor veci, ktoré sú negatívne. Ne dis pas les choses qui sont négatives. Ale hovor to, čo ja vidím. Mais dis ce que moi je vois. Začni zvestovať týmto ľuďom. Commence à prêcher à ces gens. Začni zvestovať tam tej mŕtvote všetkému. Et commence à prêcher à cette mort, à tout cela. A povedz im, čo je moja vôľa. Et dis-leur quelle est ma volonté. Že ožijete. Que vous allez vivre. A že sa potiahnú vaše kosti žilami. Que vos os vont se recouvrir de nerfs. A potiahne sa to telo mesom. Et ensuite vont se recouvrir de la chair. A že a duch vojde do tohoto tela. Que l'esprit va entrer dans prorokuj synu človeka. Prophétise, hovor, čo je Božia vôľa. Dis qui est la volonté de Dieu. Čas i nevčas. Prophétise, parle en tant convenable ou non. A začal prorokovať. Il a commencé à prophétiser. A začali sa kosti pohybovať. Et les os commençaient à bouger. Kosť ku svojej kosti. L'os contre l'os. Nastalo hrkanie. Hrkanie. Oui, donc ça commençait à on commençait à entendre le bruit. A keď nastalo toto hrkanie, lorsque ce bruit a commencé s'entendre,
A všetko to sa zostrojilo tak, ako Boh chcel, na jeho slovo. Et lorsque tout était assemblé comme Dieu le voulait à sa parole. Nie na ľudské špekulácie, ale na Božie slovo povstane. Pas par la spéculation humaine, mais par la parole de Dieu. Tá Božia nádej príde na tento svet. Alors, l'espoir, l'espérance de Dieu viendra sur ce monde. Skrze jeho slovo, ktoré je vdýchnuté skrze Svätého Ducha. Par cette parole qui est comme inspirée par l'Esprit Saint. A to, ktoré je napísané. Soufflé par l'Esprit Saint, celui qui est écrit. A ty, keď budeš prorokovať, Boh bude pracovať. To jeho bude dielo. Lorsque toi tu vas prophétiser, c'est Dieu qui va agir, c'est son œuvre. A tak celý ten, všetko sa to dalo dohromady. Et tout ça s'est assemblé. A to bol zázrak. Dalo sa to dohromady a to bol zázrak. Ça s'est rassemblé, c'était un miracle. Ale nebolo v nich života. Mais il n'y avait pas de vie en eux. Už všetko to tak vypadalo, že to už je nádejné. On pensait qu'il y avait de l'espoir. Ale ešte tam nebolo života. Mais il n'y avait pas encore vie. A teraz hovorí prorokuj k štyrom stranám, k štyrom vetrom prorokuj, synu človeka. Ensuite il dit prophétise en quatre directions du vent. Príď, duchu, príď zo štyroch vetrov, príď zo štyroch uhlov a vej na týchto pobyty. L'esprit vient de quatre coins, de quatre directions et entre dans ces corps. Čo to znamená? Qu'est-ce que ça veut dire? Zo štyroch vetrov. De quatre côtés. De quatre vents. Ten prvý vietor, premier vent, je východný vietor. Východný, schodný, východný. Schodný. Východný. Celui qui sort. Est. Schodný, ouais. No, východ. Donc, premier vent, c'est vent d'est. A tento vietor ešte viac vysušuje. Ce vent, il dessèche encore davantage. Keď z východu fúka vietor, lorsque de vent souffle de l'est, prináša ešte väčšie sucho. Et dessèche encore davantage. A tento prorok si mohol povedať, Páne Bože, veď keď som neprorokoval, tak nebolo tak sucho. A jak som začal prorokovať, ešte je suchšie. Et le prophète pourrait dire, tant que je n'ai pas prophétisé, il ne faisait pas aussi sec. Mais lorsque j'ai commencé à prophétiser, c'est encore plus sec. Ty, keď sa začneš modliť za niekoho, kto je alkoholik, lorsque tu commences à prier pour quelqu'un qui est alcoolique, a začneš ho prinášať pred Pána, a začneš mu svedčiť o Pánovi, lorsque tu commences à le porter devant le Seigneur, lui témoigner du Seigneur, ak do tej chvíli on denne vypil liter pálenky, si jusqu'à là il a bu un litre d'alcool, tak ako začneš prorokovať, bude piť 1,5 litra. Lorsque tu commences à prophétiser, il va commencer à boire un litre et demi. Máte tú skúsenosť? Est-ce que vous avez Začali ste sa skúsenosť? Dosvedčenie. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Máte tú skúsenosť? Začali ste sa za niekoho modliť? Est-ce que vous avez expérimenté cela en priant pour quelqu'un? A ešte sa zhoršila jeho situácia. Que sa situation a empiré? To je tak. C'est ainsi. A potom, ale on prorokuje ďalej. Mais il prophétise, il continue à prophétiser. Prorokuje k severnému vetru. Príď, duchu, od severu a vej na týchto pobyty. Od severu. Záchodný? Nie, záchodný, to je nord. Púlnočný. Púlnočný, tak. Donc, il prophétise via le pour le vent du nord. A tento, čo prichádza od severu? Celui qui vient du nord. Od severu prichádza chladný vzduch. Qu'est-ce qui vient du nord? Zima. Le froid. L'hiver. Vidíte?
Regardez. On prorokuje a nezlepšuje sa situácia, ešte sa zhoršuje. Il prophétise mais la situation s'empire. Nie len, že o pol litra viacej pije, ale už aj ženu bije. Non Kladný seulement je, qu'il boit bezcitný. À demi litre de plus, mais il commence à frapper sa femme. Je chladný. Il est froid. Ale treba sa modliť ďalej. Mais il faut continuer à prier. Treba prorokovať ďalej. Il faut continuer à prophétiser. Buď verný, sestra moja, buď verná, brat môj, buď verný. Sois fidèle, ma sœur, sois fidèle, mon frère. Stoj verne v tej prorockej službe. Tiens-toi fidèlement dans ce service de prophète. Lebo Pán Boh koná. Car Dieu agit. Len vtedy ťa bude môcť používať, ak ostaneš verný a verne budeš stáť. Mais il va agir, tu verras lorsque tu vas tenir fidèle, tu vas tenir ferme. Ak ty sa modlíš za svoj zbor, lorsque tu pries pour ton assemblée, ešte je horšie. Souvent c'est encore pire. Ak prorokuješ, lorsque tu prophétises, a ešte zhoršuje sa situácia. La situation s'empire. Ty buď verný. Sois fidèle. Čakaj na Pána. Attends le Seigneur. Lebo to pokračuje, to Božie dielo. Pokračuje, kontinuuje. Car l'œuvre de Dieu continue. A keď to pokračuje, tak začneme, tak prorokuje prorok západnému vetru. Lorsque cette œuvre continue, il prophétise pour le vent de l'ouest. A zo západu čo prináša vietor? Qu'est-ce qui amène le vent de l'ouest? La pluie. A to je už nádej. Et là, c'est déjà l'espoir. Už tento človek začne plakať. Cet homme, il va commencer à pleurer. Už mu nie je dobre v tom stave. Oh, il ne se sent plus možno, bien dans son état. Možno, že žena opustila. Peut-être son épouse l'a déjà možno, že už ani deti sa k nemu nepriznávajú. Peut-être ses enfants ne veulent plus le connaître. Ale sa modlia za neho. Mais je continue à prier pour lui. A začne plakať. Il commence à pleurer. A začne hľadať východisko. Il commence à chercher la solution. O, prorokuj ďalej. Continue à prophétiser. Ďalšiemu vetru. Pour le vent suivant. A to je južný vietor. C'est le vent du sud. A viete, čo prináša južný? Mais vous savez ce qui apporte le vent du sud? Ten južný vietor prináša dozrievanie. Le vent du sud apporte le réchauffement. Dozrievanie ovocia. Dozrieva ovocie. Oui, donc il réchauffe le fruit. Vidíte? Preto my nesmieme prestať. Nous ne pouvons pas arrêter. My máme byť verní služobníci. Nous devons être le serviteur fidèle. Máme verne prorokovať. Nous devons prophétiser fidèlement. Vieš, na Božie slovo povstalo všetko to, čo povstalo. À la parole de Dieu, tout a été créé, tout ce qui est là. A preto padá celý svet, lebo sa odvrátil od Božieho slova. Et tout le monde tombe, le monde entier tombe parce qu'il s'est détourné de la parole de Dieu. Ak tento svet má znovu povstať a dostať novú nádej, si ce monde doit à nouveau se lever, d'être relevé, avoir une nouvelle espoir, znovu má zaznievať Božie slovo. Zaznievať, zvučať alebo má byť hlásané, glošené. Tak. La parole de Dieu doit à nouveau être semée. Lebo na Božie slovo povstane všetko. La parole de Dieu, le monde peut se lever. Veríš moc Božieho slova? Est-ce que tu crois à la puissance de la parole de Dieu? Veríš, že Božie slovo netrpí infláciu? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu souffre pas d'inflation? Veríš, že Božie slovo je tak isto mocné ako tam na počiatku? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est aussi puissante comme au début? Viete, keď Božie slovo zaznelo do tej prázdnoty a do tej temnoty, lorsque cette
parole de Dieu est venue dans ce vide et dans ces ténèbres. Tam, kde neboli uši. Tam, kde neboli uši. Là où il n'y avait pas d'oreilles. Neboli oči. Il n'y avait pas les yeux. Lebo svet bol pustý. Le monde était vide. Zem bola neladná a pustá. La terre était pas belle, vide. Tam neboli nikde uši. Il n'y avait pas d'oreilles. Nulle a do tej pustoty zaznelo to slovo pánovo. Et dans ce vide, la parole de Dieu est arrivée. A na jeho slovo všetko postalo. Alleluja. A cette parole, tout a été créé. Veríš moc Božieho slova? Est-ce que tu crois la puissance de la parole de Dieu? Raz som išiel na do jednej vioski zvestovať evanjelium. Une fois, je suis allé dans un village prêcher l'évangile. Dali sme vyhlásiť v rozhlase v tej vioske, aby prišli ľudia a počúvali Božie slovo. Nie, to je oglošenie vioskové. Nous avons écrit sur un tableau des publications dans le village qui va avoir cette soirée. Asi takáto veľká miestnosť ako toto bola tam. Il y avait un lieu comme ici. My sme tam prišli tak na čas. Nous sommes venus à temps. A tak som čakal. Avant le temps. Pozerám hodinky. Non, attends, et j'attendais, je regardais ma montre. A práve malo už začať zgromaždenie. La réunion devait commencer. A nikto neprišiel. Personne n'est venu. A pýta sa ma môj brat, no čo urobíme? Pôjdeme domov, nie? Et mon frère qui m'a invité demande, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la maison. A vtedy mi Duch Svätý pripomenul, et à ce moment-là, l'Esprit Saint m'a rappelé, že tam na počiatku bolo pusto. Que au départ, il y avait un vide. A že do tej temnoty zaznelo Božie slovo. Que la parole de Dieu a parlé à ces ténèbres. A že potom všetko sa premenilo po tom Božom slove. Que après cette parole, tout était changé. A tak som zobral Bibliu. Alors j'ai pris la Bible. A do tej prázdnej miestnosti, takto som sa postavil. Alors dans ce lieu vide, je me suis mis devant ce lieu vide. A čítal som stvorenie. Et j'ai commencé à lire la création. A čítal som a Boh riekol a stalo sa. Et j'ai lu Dieu a dit et il se fut. A stalo sa. A plakal som. Et j'ai pleuré. Prečítal som celý ten oddiel. Et j'ai lu tout ce chapitre. A začal som chváliť Boha. J'ai commencé à louer le Seigneur. Že aj teraz do tejto prázdnej miestnosti mohlo zaznieť to sväté Božie slovo. Je disais que je louais le Seigneur que maintenant dans ce lieu vide la parole de Dieu pu arriver. A povedal som, ja verím stále tomuto tvojmu slovu, Bože. Je dis Seigneur, je crois toujours à ta parole. A naraz sa otvorili dvere. Et d'un seul coup la porte s'ouvre. A ľudia začali vchádzať. Et les gens y commençaient à entrer. Všetky stoličky obsadili. Toutes les chaises ont été occupées. Takže môj brat musel sedieť na zemi. Mon frère, il a dû s'asseoir par terre. Alleluja. Alleluja. A potom som sa pýtal, čo sa stalo, ako prišli sem. Après, il demandait, comment c'est arrivé, comment vous êtes arrivé. A predstavte si, ako sa to stalo. Imaginez-vous, comment c'est arrivé. Nedaleko bola taká reštauračná záhrada, reštaurácia. Palois, il y avait un restaurant. A ľudia tam popíjali si kofol, proste také nápoje. Les gens y prenaient des boissons, y discutaient là-bas. A vtedy, keď ja som vierou čítal Božie slovo, jednému prišlo na mysel, že oj, dneska mala byť evangelizácia. Et lorsque moi je lisais justement à ce moment-là la parole de Dieu, un d'entre eux se rappelait, ah, ce soir il devait avoir l'évangélisation. A on hovorí, oj, ja som tam chcel ísť.
Il dit, ah, moi j'aimerais bien aller là-bas. A stal od stola. Il s'est mis debout, il s'est levé de table. A tí, čo tam s ním sedeli, všetci stali a hovorili, ideme aj my s tebou. Et tous ceux qui étaient avec lui se sont levés, ils ont dit, nous allons avec toi. A tí druhí sa ich pýtali, kde vy idete? Les autres demandaient, vous allez où, comme ça? Ideme na evangelizáciu. Ah bah, nous allons à l'évangélisation. Ideme aj my s vami. Ah bah, nous allons avec vous également. A celá tá záhrada sa presťahovala na evangelizáciu. Et tous ce restaurant, toutes ces personnes sont venues à l'évangélisation. A tam zaznievalo Božie slovo. Et la parole de Dieu a été prêchée. A ľudia boli dotýkaní mocou Božou. Et les gens ont été touchés par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Keď veríš moc Božieho slova. Lorsque tu crois la puissance de la parole de Dieu. Nemusíš sa chvieť. Tu n'as pas besoin de vaciller. Božie slovo netrpí infláciu. La parole de Dieu souffre pas d'inflation. Prorokuj. Prophétise. 25 rokov prorokujem. 25 ans déjà je prophétise. Chodím po celom svete. Je parle dans le monde entier. A to slovo Kristovo, ktoré bohate v mojom srdci prebýva. La parole de Dieu qui habite richement en moi. Všade zvestujem. Je proclame partout. A Boh pracuje. Mais Dieu travaille. A môžem vám hovoriť veľké veci, skúsenosti, ktoré mi Boh dáva. Je peux vous dire que Dieu me donne des belles expériences. A viem, že ešte veľké veci má pre mňa pripravené, o ktorých som ani nesníval. Mais je sais qu'il a encore des choses merveilleuses préparées dont je n'ai même pas rêvé. A ja by som vám mohol rozprávať veľa tých skúseností. J'aurais pu vous raconter beaucoup de ces expériences. Ale teraz skončím. Mais là, je vais terminer. Pretože náš čas vypršal. Notre temps est passé. Chceme prísť pred Pána. Nous voulons venir devant le Seigneur. A chceme ho prosiť, aby nám položil tú svoju bolesť na naše srdce. Nous voulons demander au Seigneur qu'il puisse mettre sa douleur sur notre cœur. A on nám, aby na nás zostúpil Duch Svätý. Afin que l'Esprit Saint puisse descendre sur nous. Aby sme prorokovali. Afin que nous puissions prophétiser. Aby sme pripomínali Božie slovo. Afin que nous puissions rappeler la parole de Dieu. Aby sme verili moc Božieho slova. Afin que nous puissions croire à la puissance de la parole de Dieu. A Boh pracuje. Dieu travaille. Keď my prorokujeme. Lorsque nous prophétisons. Keď my čakáme. Lorsque nous attendons. Aby aj od východu, aj od severa, aj od západu, aj od juhu vial Duch Svätý. Afin que de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, l'Esprit puisse souffler. Aby zbudzoval ľudí k životu. Afin qu'il puisse faire vivre les gens. Boh aj dnes koná. Dieu pracuje. Il travaille. Skloníme svoje hlavy. On va pencher nos têtes. Budeme sa modliť. On va prier. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý nebeský Otče. De tout notre cœur, nous te remercions. Za tento dnešný večer. Pour ces merveilleuses soirées. Ďaká ti za to, že sa dotýkaš našich srdc. Merci parce que tu touches nos cœurs. Ďaká ti za to, Pane, že dávaš nádej do našich srdc. Merci parce que tu mets cette espérance dans nos cœurs. Keď rôzne tie médiá vyjadrujú beznádejnosť a zúfalstvo v tomto svete. Au moment où les médias nous parlent de ce désespoir, de ces problèmes. Že tento svet je kandidátom smrti a zahynutia. Que ce monde est le candidat à la mort et à la destruction. My tu stojíme, Pane, pred Tvojou tvárou. Nous sommes devant ta face, Seigneur. A vyznávame Ti, že Ty vieš, Pane. Et nous confessons que toi tu le sais. Ty vieš, aké sú Tvoje plány. Tu sais quels sont tes projets. Ale ty si povedal, mais tu as dit, že tvoje myšlienky o nás sú na dobre. Mais tu as dit que tes projets sont de bien pour nous. Že tvoje myšlienky nie sú o zlom. Que tes pensées ne sont pas de mal. Že tvoje myšlienky sú o tom, aby si nás zasadil a nevyplienil. Et tes pensées c'est de nous planter et pas nous arracher. Aby si nás vzbudoval a nezboril. Pour nous construire et pas nous détruire. Aby si dal požehnanú budúcnosť nám i našim deťom i budúcim generáciám. Car tu veux nous la bénédiction pour nous et pour nos générations futures. O Pane, Seigneur, tu sme. Nous sommes.
Nech tvoj Svätý Duch zostúpi teraz na nás. Devant toi que ton Esprit Saint puisse descendre sur nous. Chceme byť tvojimi služobníkmi. Nous voulons être tes serviteurs. Chceme naplňať tvoju vôľu. Nous voulons accomplir ta volonté. Chceme prorokovať. Nous voulons prophétiser. Chceme pripomínať tvoje slovo. Nous voulons rappeler ta parole. O, príď, Duchu Svätý. Viens, l'Esprit Saint. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. Maintenant, lorsque nous avons les têtes inclinées. A keď tak cítiš vo svojom srdci. Lorsque tu penses dans ton cœur. Že Duch Svätý mocne prehovára k tebe. Que tu sens que l'Esprit Saint il parle puissamment à toi. A tak ta Božia bolesť prešla do tvojho srdca. Lorsque cette douleur de Dieu était transférée dans ton cœur. A bolí ťa to, že ľudia idú do zahynutia. Et ça te fait mal que les gens vont à la perdition. A že sa ľudia zmietajú v beznádejnosti a v tme. Que les gens ils se vacillent dans les ténèbres et sont sans espoir. A ty chceš povedať Pánovi: Pane, tu som, pošli mňa. Et toi tu veux dire au Seigneur: me voici, envoie-moi. Zmocni ma svojim Svätým Duchom. Seigneur, fortifie-moi par ton esprit. Očisti moje srdce. Purifie mon cœur. Naplň ma svojim Svätým Duchom. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. A veď ma týmto životom. Et conduis-moi dans cette vie. Použij ma ako svoj nástroj. Seigneur, utilise-moi comme ton instrument. Nástroj tvojej lásky. L'instrument de ta grâce. O, Pane, tu som. Je suis là. Je tu niekto taký. Est-ce qu'il y a quelqu'un ainsi? Je tu niekto taký, ktorý chce povedať Pánu: áno, Pane, tu som, pošli mňa. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire au Seigneur: zodvihnite me voici, envoie-moi. Zodvihnite svoje ruky, nehanbite sa za Pána. Buďte požehnaní. Soyez bénis. Buďte požehnaní, mužovia i ženy. Soyez bénis, les femmes et les hommes. Buďte požehnaní, mladí i starší. Soyez bénis, les plus âgés et plus jeunes. Buďte požehnaní vy, ktorí prijímate toto bremeno. Soyez bénis ceux qui tous ceux qui acceptent ce fardeau. O ktorom hovorí Pán Ježiš. Dont le Seigneur parle. Poďte ku mne. Venez à moi. Zoberte moje bremeno. Prenez mon fardeau. Lebo moje bremeno je ľahké a užitočné. Car mon fardeau est léger. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Et vous allez trouver le repos de vos âmes. O, príď, Duchu Svätý. Viens, l'Esprit Saint. A zapečať tieto srdcia. Scelle ce cœur. O, daj pečať na toto rozhodnutie. Seigneur, mets ton sceau sur ces décisions. Daj im verné srdcia. Donne leur cœur de cœur fidèle. Aby verne stáli. Afin qu'ils puissent tenir fidèlement. Lebo ty si verný. Car tu es fidèle. Ty budeš verne držať svoju ruku nad nimi. Tu vas tenir fidèlement ta main sur eux. Ty si nám slúbil, Pane Ježišu. Tu nous as promis, Seigneur Jésus. Že aj hľa, ja som s vámi po všetky dni až do skonania sveta. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ty si slúbil svoju vernosť. Tu as promis ta fidélité. Vy, drahé duše. Mes chères âmes. Pán Ježiš takto hovorí. Seigneur Jésus, neboj sa. N'aie pas peur. Lebo ja som s tebou. Je suis avec toi. Držím ťa za ruku. Je te tiens par la main. A vedem ťa cestou, ktorou máš ísť. Je te conduis par le chemin que tu dois suivre. Vyučím ťa tejto ceste. Et je t'apprends ce chemin. Aby si si neuderil svoju nohu o kameň. Afin que tu puisses pas fouler ton pied sur un caillou. A ja sa ťa nikdy nevzdám. Et je te délaisserai jamais. Lebo ťa milujem večnou láskou. Car je t'aime d'un amour éternel. A preto ti neustále činím milosť. Alors je te fais grâce tout le temps. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa. Même si une mère pourrait oublier son enfant. Ja ťa nikdy nezabudnem. Je te t'oublierai jamais. Môj si ty. Tu es à moi. Tak hovorí Pán. Dit le Seigneur. Vo svojich dlaniach som vyril tvoje meno. Sur mes mains j'ai gravé ton nom. A stále si pred mojimi očami. Tu es toujours devant mes yeux. A v mojich ranách je tvoje uzdravenie. Dans mes blessures, il y a ta guérison. N'aie pas peur. Lebo ťa milujem. Ne crains pas, je t'aime. A nikdy ťa neopustím. Je te délaisserai jamais. Alléluia. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Merci, Seigneur Jésus. Ďakujem ti, že si tu.
Merci parce que tu es là. A ďakujem, že žehnáš tieto srdcia. Merci parce que tu bénis ce cœur. Ďakujem, že máš pre nás pripravené veľké požehnanie. Merci parce que tu as préparé de grandes bénédictions pour nous. A ja verím, že odtiaľ to vyjde veľké požehnanie do Francie. Et je crois que de toi viendra cette grande bénédiction pour la France. Alléluia. Alléluia. Nech toto slovo prebudí mnohé srdcia. Que cette parole puisse réveiller de nouveaux cœurs. Nech toto slovo sa dostane od východu až po západ, od juhu až po sever Francie. Que cette parole puisse aller de l'est à l'ouest, du nord au sud. Že Boh miluje Franciu. Que Dieu aime la France. A má pripravenú záchranu a požehnanie. Qu'il a préparé un salut et la bénédiction. A vy buďte poslami pokoja. Mais soyez les messagers de la paix. Všetkých ľudí milujte. Aimez tout le monde. Za všetkých sa modlite. Priez pour tous. Všetkým žehnajte. Bénissez tous. A ja budem s vami. Et je serai avec vous. Tak hovorí Pán Ježiš. Dit le Seigneur. Po všetky dni. Jusqu'à la fin. Až do skonania sveta. Jusqu'à la fin du monde. Halleluja. Halleluja. Buď verný až do smrti. Sois fidèle jusqu'à la mort. A dám ti korunu života. Je te donnerai la couronne de vie. Tak hovorí tvoj Pán. Dit ton Seigneur. Tvoj spasiteľ. Ton sauveur. Pán Ježiš Kristus. Seigneur Jésus. Halleluja. Halleluja. Amen.